Les retards, on n'accepte plus, monsieur Jules. Moi, ça me fait mal de voir qu'au troisième millénaire, il y a des gens qui ne savent pas écrire leur nom. C'est grave, parce qu'il faut vite récupérer les retards. Et vous voyez, c'est pour cela que la pauvreté persiste dans des pays moins avancés. L'an passé, j'ai interviewé le phénomène web Eddie Malou. La vidéo est devenue virale et a été vue par plus d'1 700 000 personnes. Depuis, le savant congolais autoproclamé a fait ses débuts sur TikTok. Structurantiste et actuariste valorisant activement une nouvelle technologie, je veux vous TikTokationaliser. On peut y trouver aussi des dizaines et des dizaines d'imitations ou de vidéos humoristiques à propos de lui. C'est AX au carré plus BX plus C. C'est le triumvirat. Quand vous avez qu'une chasse à 00243... J'ai eu envie de prendre de ses nouvelles et de jaser avec lui de son attachement au Québec. Fait que j'ai contacté mes collègues congolais pour réaliser une nouvelle entrevue. Oui, bonjour. Oui, monsieur Jules. Est-ce qu'au Congo, des gens vous en ont parlé de notre entrevue? Absolument, malgré tout, c'est vous qui allez prendre un peu du temps. Mais ils disent que monsieur Jules devrait faire passer les entrevues d'une façon hebdomadaire, soit pourquoi pas des émissions quotidiennes. Il y a moyen, moi je travaille comme un éléphant. Hein? J'ai remarqué qu'il y a plusieurs gens qui font des imitations de vous dans l'Afrique francophone. Est-ce que vous voyez ça comme un hommage ou comme un affront? Non, ils font de publicité. Ils savent, c'est-à-dire ils sont contents parce que je vois des Nigériens qui viennent nous voir. Il y a des Ivoiriens. Dans TikTok, quand je parle de TikTokationalisé, c'est-à-dire là, je prends le monde entier. C'est pas seulement le Congo. Base, c'est au Congo pour l'éventualité nord, sud, ouest, est, centre qu'on allait oublier. Le centre, c'est le départ de tout. Mais donc ça, c'est l'importance de l'éducation chez les jeunes? Pas seulement chez les jeunes, même dans la gériatrie, chez les vétérans. Parce que maintenant, il faut imposer, même le vieillard doit étudier. Les études ne se terminent pas. Chez nous, les gens allaient avoir la tendance de vite passer à l'université. Et puis, j'ai terminé. Terminé quoi? Aux études. Les gens doivent recommencer les études. Il faut avoir un cervelet bien développé. Parce que le monde actuel est scientifique. Les retards, on n'accepte plus, monsieur Jules. Moi, ça me fait mal de voir qu'au troisième millénaire, il y a des gens qui ne savent pas écrire leur nom. C'est grave. Parce qu'il faut vite récupérer les retards. Et vous voyez, c'est pour cela que la pauvreté persiste dans des pays moins avancés. On ne sait pas évaluer, on ne sait pas calculer. Or, lorsqu'on n'évalue pas, on n'évolue pas. Est-ce que vous avez l'impression d'être incompris en République démocratique du Congo? Bon, non, ils commencent à comprendre. Parce que dans des pays moins avancés, on copie des matières de grande puissance. Tu ne cadres plus, c'est là où je révigore, je restructure, j'impose ça. Et le pays sous-développé que je ne veux plus sentir maintenant, je veux imposer le savoir pour que les gens puissent comprendre que sans esprit, on ne vaut rien. Le monde actuel pour les grands esprits. Dieu lui-même, c'est un esprit. Il a créé la terre par des calculs. Moi, oh, il est sage. Non, ne me parlez pas sage. Parlez-moi des savants. Un savant, c'est quelqu'un qui calcule, qui évalue. Lorsque vous restez faible et vous croisez les bras, on vous surpasse. Le pays vaincu hier sont des vainqueurs d'aujourd'hui. La francophonie par rapport à ce qu'on appelle le Commonwealth, c'est pas la même chose. Est-ce que vous croyez que les Québécois doivent préserver la langue française? Absolument. C'est une diplomatie intégrale de premier rang. Il y a des théorèmes, il y a des nouvelles thèses que j'ai prévues pour les Québécois. Je sais qu'ils m'aiment beaucoup parce qu'ils téléphonent ici. Je tiens mon du coup sur leur dire que la québécoisationnalisationnalité doit être au centre d'intérêt. Québec, je sais que la première richesse, c'est d'abord le bois. Fabriquer des papiers, j'aurais besoin aussi de tonnes de papiers ici parce que je continue à écrire. Que les Québécois, Québécoises sachent que je suis leur frère bien attitré, je crois que pour aujourd'hui, ça n'est d'abord fini. Ciao! Je salue l'ampleur de mes frères qui m'ont précédé dans l'espace parce que c'est ça mon souci. Prendre les drapeaux du Congo, aller placer là-bas au-delà de 384 000 km pour diminuer l'essence de jeu dans des pays qui avaient des difficultés sur les sciences.